Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de cartes de Noël. J'ai fait une petite carte de Noël très simple. Voilà, c'est surtout une carte à rainures, ce style-là, je vous montre. Voilà, moi je vais la faire avec tout un ensemble de Noël. Donc pour cela, je vais prendre une feuille aquarelle à 4. Voilà, prenez bien format A4. Et prenez bien surtout le bac à carré. Voilà. Alors, je vais prendre ma massicot et je vais couper deux carrés de 14 cm sur 14 cm. Voilà, le premier. Et un deuxième. Voilà, je réserve mon massicot. Alors maintenant, je vais prendre ma planche à tampons. Je vais prendre mes deux feuilles, je vais les mettre l'une sur l'autre. Sur la planche à tampons. Je vais l'immobiliser et je vais le mettre au milieu puisque tout va se passer ici et là. Voilà. Alors, je vais prendre les dessins que je veux mettre. Ce que je vais faire, attacher la planche comme je vais dépasser un peu. Quoique je peux peut-être éviter de dépasser. Voilà. Alors, surtout, gardez bien la position de votre tampon parce qu'il va nous servir pour la deuxième. La deuxième planche. Ah, je vais mettre là parce qu'ici je ne tamponne rien. Je vais utiliser ce tampon. Voilà. Alors je mets en place mes tampons. Et surtout, on ne les bouge pas. Je vais prendre ma versafine, je vais le faire en marron. Vous pouvez prendre la mélanito aussi. Moi, je vais le faire avec de la versafine. Voilà. Oui, je le fais. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant, le plus difficile va être de ne pas bouger la seconde feuille. Voilà. J'enlève ma première feuille sur laquelle j'ai mes deux tamponnages. Je ne sais pas si j'arrive à vous les montrer avec le jeu de lumière. Voilà. Je vais remettre. Voilà, donc ma seconde feuille est exactement positionnée à l'endroit de la première. Et je retamponne une seconde fois les... Ah, ça va marcher cette fois-ci. Un petit peu plus. Vous voyez bien, c'est très très important. Voilà. 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 Donc j'ai mes deux feuilles en 14 cm avec exactement les mêmes tampons positionnés aux mêmes endroits. Donc là, maintenant, c'est pénible, c'est. Ça ne va plus. Voilà. Alors maintenant, je vais nettoyer tout de suite ma table à tampons. Et mes tampons. Là. Et je réserve. Je vais remettre mes tampons en place. Alors, je reprends mes deux feuilles. Voilà. Alors, je vais en prendre une des deux. Il y en a une des deux que je vais garder en 14-14. Et il y en a une autre des deux sur laquelle je vais mettre. Je vais couper, pardon, 1 cm de chaque côté. Voilà. 1 cm ici. 1 cm là. Et voilà. Voilà. Donc j'ai, comme vous voyez, coupé mon dessin. Mais c'est bon. Maintenant, nous allons coloriser nos deux dessins. Alors moi, je vais le faire à l'aquarelle. Vous pouvez le faire au feutre alcool, ce que vous voulez. Moi, je vais coloriser à l'aquarelle.
Donc, je vais essayer de brancher mon gueule. Parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Alors, donc, je reviens à ce que je faisais. Je fais avec un pinceau vraiment très petit. Voilà, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des crayons de couleur, des feutres alcool, des feutres aquarellables. Ce que vous voulez. Maintenant, je vais changer ma couleur. Je vais mettre des petites baies rouges. Voilà. Voilà pour ce côté-là. Je vais rester avec le rouge. Et toujours mon pinceau fin. Et voici. Voilà. Alors. Alors là, je vais prendre un coloris. Voilà. Alors là, je vais partir sur quelque chose de clair.
Le plus long, c'est effectivement la colorisation. Mais je suis obligée de la faire avant de continuer la carte. C'est pour ça que je pourrais très bien vous montrer sans coloriser. Mais après, vous ne pourrez pas coloriser la carte du dessous. Donc, ce que je vais faire, je vais coloriser juste la carte du dessous. Et celle du dessus. En fait, il faut faire la même chose. Il faut coloriser et cette carte et celle-là. Alors. Voilà. Un petit peu de blanc. Vous pouvez effectivement utiliser aussi le feutre alcool. Et voilà. On va sécher un petit peu. Alors si je vais quand même le coloriser l'autre, sinon ça va pas vous donner, vous allez pas voir exactement ce qu'il faut. Maintenant, je le pose sur. Sur mon plat. Oups. Je prends mon petit plioir et je fais un trait au premier trait. Après 0, vous avez un premier trait, vous insistez bien et vous faites ça tout le tour de votre carte. Oups, j'ai un petit peu bougé, je vais commencer. Bien au premier trait. Voilà. Vous voyez, on obtient un trait de chaque côté. Je vais déposer celui-là. Et je vais être obligée de vous le recoloriser, sinon ça va pas. Je ne vais pas pouvoir le faire après. Donc on va repartir. De bien avoir. Bon, là c'est normal, hein, j'en ai moins à coloriser pour la bonne raison que vous avez vu tout à l'heure, je l'ai découpé. Alors, je repars avec mon verre, je suis en train de faire deux mélanges de verre.
Voilà. Voilà. Je vais reprendre exactement les mêmes codes couleurs. Je réfléchis bien à ce que je fais pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Là, je vais carrément. Ça, c'est pas trop grave. Non, je regarde bien parce que là, il ne faut pas se tromper. C'est comme j'avais coupé. Voilà. Je suis en train de regarder. Je vais parler sur l'autre. Voilà.
qui reste un petit moment. Voilà. Alors, alors, ma carte que j'avais réservée en 14, sur laquelle j'avais fait un trait de chaque côté, je vais donc la mettre de côté et je vais prendre celle sur laquelle j'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Voilà. Je vais reprendre la planche et là, je vais faire 3 traits de chaque côté. Donc, vous la positionnez bien. Voilà. Vous faites bien sûr l'envers de la carte. Et là, on fait 3 traits de chaque côté. Voilà, comme ceci. Vous voyez, j'ai fait 3 traits. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici aussi. Et là, on peut le voir, on les voit là. De chaque côté. Je réserve ma planche. Maintenant, je vais prendre du double face en 3D que je vais mettre vers ma sous ma petite carte, la plus petite des deux, pas la grande, la plus petite. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais venir faire coïncider. Mes deux cartes l'une sur l'autre, enfin mes deux motifs. Vous allez voir, les motifs vont coïncider les uns sur les autres. Hop. Voilà, donc là, avant de coller, on regarde bien si ça coïncide bien. Là, en l'occurrence, je devrais être là. Tout à fait, je devrais être là et là. Une fois que ça coïncide, voilà ce que j'obtiens. Voilà, mais c'est pas fini, hein. Notre carte n'est pas terminée. Nous allons mettre un petit empennage. Je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais utiliser du marron clair. Du marron clair, du marron tout court. Voilà, là je vais embosser mon petit. Alors, je vais embosser, je cherche mon matériel qui est là. Je vais venir embosser mon titre. Je tape bien. Je vais faire quelque chose. Est-ce que je trouve ma petite brosse qui va bien avec. Je vais la mettre. Bon, et voilà. Je fais ça. Voilà. Je vais prendre ma petite brosse. Je vais prendre une encre distress. Et tout doucement, je vais venir faire mes 3 rayures. Mais vraiment, je le dépose tout doucement. Voilà.
Et voilà. Voilà. Alors, bon, après, si vous voulez mettre un autre petit tamponnage, vous pouvez. Mais bon, là, je pense qu'on a, on a un peu fait le tout. Il ne faut pas que ce soit trop chargé. Donc... Alors, je vais prendre celle-là. Après, je vais découper un papier par stock. Alors, je réserve. Vous voyez ce que ça donne. Ma carte est sur l'autre. Alors, on voit bien le... Je vais vous montrer. On voit bien le... la carte du dessous et la carte du dessus. Comme ceci. Qui coïncide bien. Si je me montrais dans le bon sens, ce serait encore mieux. Vous voyez. Voilà. Alors maintenant, je vais couper un cardstock de 14 en rouge. Enfin, moi, je vais prendre du rouge, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. De 14,5. Voilà. Sur 14,5. Voilà. Je vais venir adosser ma carte dessus. Alors, on aurait pu très bien embosser les éléments de la carte du dessus. Par exemple, là, on aurait pu faire un petit embossage. C'est vrai que moi, j'ai choisi de ne pas le faire, mais on aurait pu. Alors, je vous donne des petites astuces comme ça. Voilà, c'est une carte très simple à réaliser. Donc là, on va venir... On va venir la mettre sur un petit cardstock. Et pour finir, je vais laver un petit peu les mains. Je vais essayer de les mettre. On va prendre un papier blanc en 300 g de grammage. Alors là, je réserve la petite carte, vous la voyez, elle est là. Voilà, que je vais couper en 15 sur 15. Hop. Et voilà. Et là, je vais venir coller ma carte. Alors, le plus long, c'est effectivement les colorisations. Mais bon, c'est une carte qui est assez sympa quand même. Voilà, alors ça. Et voilà, je vais bien le coller. Et voilà, vous obtenez une jolie petite carte rainurée. Je vous la montre, je ne sais pas si... Voilà. Je vous la montre bien, je vous montre bien tous les détails. J'enlève mes doigts. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez envie de refaire ce tuto. En tout cas, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube en permanence ou sur le groupe des Scrap Copines, rubrique guide du groupe Guide 78. Bon après-midi à vous toutes. Au revoir.